14 décembre 2019, Yuan, ville située en République populaire de Chine, peuplée de 11 millions d'habitants, allait devenir tristement célèbre. C'est ici que le premier cas de Covid-19 allait être découvert. Depuis, ce petit virus de 125 nanomètres de diamètre n'a cessé de voyager, au point de devenir une pandémie à l'échelle mondiale. Pour nous parler de ce virus, de ses conséquences et comment limiter son impact, nous sommes allés à la rencontre de Tristan Comorne, pharmacien titulaire. Tristan Comorne, qu'est-ce que le coronavirus ? Ce sont des familles de virus assez communes, qui sont responsables d'épidémies de rhinopharyngite, de gastroentérite. Ce sont des virus qui mutent et là on a un mutant qu'on appelle Covid-19 et qui lui s'avère très contagieux, mais également assez agressif et responsable de complications, notamment pulmonaires, qui peuvent entraîner des décès. Comment peut-on attraper le virus ? Il entre dans notre corps par les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux. Et il est très souvent ce qu'on appelle manuporté, c'est-à-dire que en toussant dans ses mains, en touchant des surfaces, on récupère du virus, en serrant des mains, en touchant d'autres personnes. Et donc, machinalement, une fois par minute, nous touchons notre visage, nous portons notre main à notre visage. Et donc, on peut avoir soit directement des postillons qui nous arrivent dans la bouche, dans les narines, dans les yeux, soit du virus qu'on ramasse avec les mains au contact d'autres personnes. Quels sont les gestes barrières ? C'est éviter les contacts, bien sûr, éviter les embrassades, éviter les poignées de main, se tenir à distance à 1 mètre, 1,50 mètre des autres, et puis éviter de toucher les surfaces de ramener les mains à son visage, donc faire un usage très fréquent d'eau savonneuse pour ses mains, et à défaut, quand c'est pas possible, faire usage de lotion ou de gel hydroalcoolique. Quels sont les symptômes et quand doit-on réellement s'alarmer ? La difficulté avec ce virus, c'est qu'il est le temps d'incubation est assez long, et il peut être jusqu'à 15 jours, et il peut être assez silencieux pendant cette période d'incubation. On a des gens qui peuvent être, pour la plupart du temps, peu ou pas symptomatiques, mais ce qui ne les empêche pas d'être contaminants. Les symptômes, ça va être ceux d'un rhume, ça peut être un nez qui coule, une toux plutôt sèche, et puis ça peut être de la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures. Voilà le genre de signes, donc des choses tout à fait classiques et qui semblent, dans un premier temps, bénignes, qui sont celles d'un rhume. Mais ces signes-là doivent alerter. Si on a ce genre de signes, si on a de bonnes raisons qu'on pense qu'on est contaminé, on ne se rend pas comme ça à la pharmacie ou chez le médecin. On reste chez soi. Si on n'a rien de trop grave, on appelle son médecin et le médecin va nous donner une conduite à suivre. Et s'il y a des produits à prendre, on les fera prendre par quelqu'un d'autre, que soi ou sa proche famille, qu'on est susceptible d'avoir aussi contaminé. Et si c'est grave, on fait le 15, c'est-à-dire si on commence à ressentir des gènes respiratoires, ce genre de choses, on fait le 15 et c'est le 15 qui va orienter le patient vers les services de soins hospitaliers. On ne se rend pas spontanément, si on a des soupçons ou des signes avérés de la maladie, on ne se rend pas spontanément à la pharmacie, chez le médecin ou à l'hôpital. On reste chez soi, on appelle son médecin et si c'est grave, on appelle le 15. Qui sont les personnes les plus sensibles ? Les personnes âgées. Parce que vraisemblablement leur système immunitaire a tendance à s'affaiblir au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Donc les personnes très âgées, 80 ans et plus, sont vraiment des gens à risque. On est à risque dès 65 ans, mais le risque augmente vraiment très considérablement après 70, voire après 80 ans. Tous les gens qui ont des maladies chroniques au niveau respiratoire, de l'asthme, de la mucoviscidose, et qui ont tendance à avoir des problèmes respiratoires, les fumeurs, et évidemment tous les gens qui ont des maladies chroniques, le surpoids morbide avec des IMC supérieurs à 40, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, tous ces gens-là sont considérés comme des gens à risque. Et évidemment, une autre population à risque, ce sont les femmes enceintes. Peut-on encore trouver des masques ? Nous sommes face à une pénurie criante, alarmante de masques. Aujourd'hui, il est très délicat pour les professionnels de santé de travailler. On est obligé de rationner les masques et nous nous retrouvons dans une situation où les professionnels de santé, en particulier libéraux, à ce jour,
ont des difficultés à se protéger et peut-être risquent de se contaminer et risquent d'être à leur tour contaminants. Donc il est absolument urgent que la chaîne logistique de fourniture de ces masques soit activée et rendue efficace en Guadeloupe. Parce que là, pour le moment, on n'est absolument pas dans le compte. Moi, je finis ma boîte de masques aujourd'hui, j'ai été livré et je tiens, j'ai le droit à une boîte de masques pour mon équipe, c'est-à-dire même pas une semaine de fonctionnement. Et quand je dis mon équipe, c'est pharmacien et préparatrice. Il suffit de regarder derrière nous, tout le monde est au combat et tout le monde est exposé. Pharmacien comme préparateur, comme apprenti, comme même personnel de ménage de la pharmacie est exposé au même risque au contact de la patientèle. Donc le message, il est clair, on a besoin de masques en Guadeloupe, activons les choses, s'il vous plaît. Peut-on utiliser des masques faits maison ? On a des gens qui utilisent des masques de chantier, qui confectionnent des choses avec des tissus, etc. J'ai envie de dire, faute de grive, mangeons des merles, c'est mieux que rien, c'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc à eux de penser à laver ça en rentrant à la maison, avec de l'eau chaude savonneuse, à changer les choses régulièrement. Et puis bien sûr, le mot d'ordre, c'est limitons les sorties pour les choses indispensables. Trouve-t-on encore des gels désinfectants ? Rupture nationale pendant un moment de gel fabricant, rupture d'approvisionnement de la Guadeloupe. Hein, les problèmes d'approvisionnement sont évidemment chez nous accrus du fait de notre insularité et de notre éloignement. Donc, on a eu l'autorisation de développer la fabrication de lotions hydroalcooliques et nous fournissons dans une usine de distillation. C'est pas la peine pour les particuliers d'y aller, mais localement, on a développé des solutions pour fabriquer des lotions hydroalcooliques à destination des professionnels de santé. Et ça, il y a énormément de pharmacies réparties sur tout le territoire de la Guadeloupe qui ont mis en œuvre ce genre de solutions et qui commencent à en proposer au public. Alors, les personnels prioritaires pour ça sont évidemment les professionnels de santé qui sont eux exposés au contact des patients, les gens qui continuent à travailler au contact des patients comme les caissières des supermarchés, les livreurs, etc. Pour les particuliers, je rappelle que la méthode de référence là reste le lavage de mains avec l'eau savonneuse. On utilise du gel que quand on n'a pas accès à ça. Malheureusement, en Guadeloupe, nous avons régulièrement des coupures d'eau, ce qui complique grandement l'hygiène à la maison. Et on comprend l'intérêt important des Guadeloupéens pour ces lotions. Alors, les pharmacies recommencent à arriver à en proposer, à fabriquer. Mais n'utilisons pas ces gels si on est confiné chez soi et qu'on n'a aucune raison de sortir. On se lave les mains à l'eau savonneuse et priorisons ceux qui sont en contact des patients et du public. Dois-je croire ce que je lis sur Internet ? Sur Internet, évidemment, donc, le pire côtoie le meilleur. On connaît le côté extrêmement toxique de certains réseaux sociaux. Et sans parler de toxicité, on sait aussi que tout y circule comme information, avec des choses qui peuvent être tout à fait judicieuses et d'autres qui sont tout à fait validées et d'autres, par contre, qui sont tout à fait farfelues et pas validées. Alors, quand on regarde des choses, je pense qu'il y a une règle de base. C'est un, de remonter à la source et de vérifier la source de l'information. Et deux, de s'imposer à soi-même de ne pas véhiculer une information si on ne l'a pas validée. Ça, c'est la base, parce que sinon, cet formidable outil qu'est Internet et les réseaux sociaux peut devenir la pire des choses et être au contraire vecteur de mauvais gestes, de mauvaises prises en charge, de mauvaises attitudes qui peuvent être plus délétères que efficaces. Comment peut-on éviter de saturer les pharmacies ? Les pharmacies, on y va si on a des traitements à aller chercher ou des choses de première nécessité. On n'y va pas pour faire un tour tous les jours pour regarder si le nouveau cosmétique ou le nouveau complément alimentaire est arrivé. Ou comme je l'ai vu hier, une personne confinée sportif qui est venu uniquement pour aller chercher des protéines pour faire son sport et pour prendre de la masse musculaire. C'est pas du tout l'heure de jouer à ça. Je rappelle que on est confiné. Qu'en est-il réellement des activités physiques ? L'activité physique a tout à fait sa place et son intérêt, mais on parle d'activité physique douce.
régulière et douce. De la marche, des choses où on met pas l'organisme, on pousse pas l'organisme dans ses retranchements. C'est au contraire très dangereux de faire ça. Et ça peut entraîner des problèmes et des complications cardiaques, comme des morts subites en période virale, si jamais on s'amuse à faire du sport intense. Donc surtout pas de sport intense, de l'activité régulière, quotidienne et douce. Quels sont les médicaments à réellement éviter et pourquoi ? Il est absolument dangereux de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, qui est susceptible d'être vendu sans ordonnance, pour ne pas les nommer Nurofen, ibuprofène, Advil, etc. et compagnie. C'est, il ne faut surtout pas prendre ce genre de choses, surtout éviter tout ce qui est corticoïdes inhalés et par voie générale, les dérivés de la cortisone, la prednisolone, le béclométasone, des choses comme ça, parce que en fait, ça baisse nos défenses immunitaires. Et ça ouvre un boulevard au virus pour pénétrer chez nous et également pour s'y multiplier, se répliquer. Les formes les plus complexes, les plus graves, les cas les plus difficiles sont souvent liées à des prises d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et à des prises de corticoïdes. Concernant le paracétamol, ça n'a aucun intérêt de s'amuser à faire des stocks qu'on a pu le voir ces derniers temps. Le paracétamol, je rappelle que c'est un médicament normalement contre la douleur et contre la fièvre. Donc ça n'a aucun rôle préventif à l'égard des maladies virales. Et je dirais même autre chose, la fièvre, c'est une réaction physiologique de notre corps. Nous augmentons notre température pour activer nos défenses immunitaires. Le fait de prendre du paracétamol, ça inhibe, ça retarde l'efficacité de notre système immunitaire. Et puis, la température élevée liée à la fièvre, elle est défavorable également pour le virus. Donc, notre défense naturelle qui consiste à élever notre température pour lutter contre le virus, c'est pas malin de s'amuser à l'inhiber en prenant du paracétamol. Personnellement, moi, ma position, c'est qu'on ne prend du paracétamol que si la fièvre nous pénalise, au-delà des 39,5, quand on risque des convulsions, quand on risque des délires, et que la fièvre peut devenir délétère chez les gens, et notamment chez certains enfants qui risquent de convulser, etc. Mais sinon, personnellement, et j'invite les gens à faire de la même manière, apprenez à supporter votre fièvre, elle est bénéfique pour traiter le virus. Qu'en est-il de la médecine par plante ? À titre de prévention, il existe des plantes qui sont dotés de tanins de type flavonoïde qui leur confèrent des propriétés antivirales avérées sur les arbovirus. On l'a vu pour la dengue, le chikungunya, le zika, hein, par le passé, mais également vraisemblablement sur les coronavirus. Alors chez nous, on a une spécialité qui a été faite par le docteur en pharmacie Henri Joseph, qu'on appelle Virapic, qui contient Zebapic, et c'est pas idiot de prendre une cuillère le matin à titre préventif et deux par jour à titre curatif si jamais on est touché par la maladie. Ce sont des bonnes idées. On évite bien sûr, du fait de la présence d'alcool, chez les enfants, chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Il y a des préparations maison de Zebapic. La difficulté qu'on a avec, c'est qu'on ne sait pas comment elles sont dosées, quelle est la teneur en actif et quelles sont les bonnes doses à prendre, choses qui ont été validées dans la spécialité Virapic et qui est disponible dans les pharmacies de Guadeloupe. Pareil, on évite de faire de surstocker de manière à ce qu'il y en ait le moment venu pour les gens qui en ont besoin. Il y a d'autres plantes qui ont ce genre de propriétés, des extraits de cyprès bien faits, des laboratoires Pilège, éventuellement les extraits de pépins de pamplemousse. Lorsque je suis confiné, que dois-je faire pour avoir mes médicaments ? On envoie quelqu'un dont on a un voisin, un ami, dont on est sûr qu'il n'est pas contaminé, pas contaminant. Et à ce moment-là, on peut aussi envoyer des ordonnances dans les pharmacies, par Internet, par fax, par ce genre de moyens, faire préparer les ordonnances dans les pharmacies et venir les chercher au guichet de garde. J'invite un maximum les gens à fonctionner de cette manière-là, de manière à limiter les passages à l'intérieur même des pharmacies. Que faire si l'on pense être contaminé ?
Si j'ai le moindre doute, je reste chez moi, j'appelle mon médecin. Et si vraiment j'ai des signes évocateurs et des difficultés respiratoires, j'appelle le 15. N'allez pas à la pharmacie si vous êtes susceptible d'être contaminé par le virus. Vous allez contaminer les autres, vous allez contaminer l'équipe et vous allez être un facteur de diffusion de l'épidémie et vous risquez de rendre malade des soignants qui ne pourront plus vous servir.